Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué, une petite pépite, vous allez voir. Comme d'habitude, cette semaine, réservée aux membres premium de la chaîne. Et d'ailleurs, à ce sujet, je sais que parmi vous, il y en a qui ont vu passer le post que j'ai mis au sujet du premium et de son évolution à venir. En effet, suite aux demandes et toujours dans l'idée de centraliser tout le contenu que je propose sur mon site tutomagie.com, j'ai enfin mis en place un système, comme pour l'école de magie, de passe pour le premium. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir accès au contenu premium directement en souscrivant sur YouTube à un abonnement mensuel. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ça et qui préféreraient avoir un achat unique et avoir accès sans payer à chaque fois tous les mois. Donc j'ai mis en place ceci, c'est un pass comme pour l'école de magie qui vous permet d'avoir accès à l'intégralité de toutes les vidéos premium directement sur mon site tutomagie.com et même les futures vidéos qui seront ajoutées au premium comme celle d'aujourd'hui seront automatiquement ajoutées et vous y aurez accès avec le reste de votre contenu. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo détaillée à ce sujet concernant aussi si je vais continuer ou non le système d'abonnement sur YouTube. Vous le savez, YouTube, sur les 2,99€ que vous payez, me reverse moins de la moitié que ce que vous payez. Et sur ça, moi, je paye ensuite les impôts, etc. Et vous vous doutez bien qu'il me reste vraiment pas grand-chose à la fin. Donc, je suis en pleine réflexion en ce moment, à savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit le plus... Soit augmenter le prix du premium, soit totalement enlever le premium et juste donner la possibilité de basculer via le pass directement sur mon site, tout en sachant que ceux qui ont souscrit depuis de nombreux mois et années bénéficieront justement d'une remise très 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 intéressante. Ils ne seront pas du tout lésés, hein. Détrompez-vous, bien au contraire, pour justement basculer sur le pass sans avoir perdu de l'argent finalement à avoir souscrit pendant plusieurs mois sur le premium. Voilà. Dans tous les cas, je réfléchis au maximum pour que personne ne se sente lésé et que tout soit cohérent au maximum. Je vais pas m'étaler pendant 2 heures là-dessus dans cette vidéo, c'est pas le but. Dans tous les cas, je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur le sujet, vous expliquer tout ça. En tous les cas, je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui me soutiennent depuis des mois et des années. Merci à vous vraiment, hein. Ça me fait vraiment, vraiment grave plaisir. Je me répète, je le sais. En tous les cas, aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, 2 petits paquets, vous allez voir. Ça demande un petit peu de travail, je le dis de suite, c'est pas un tour facile pour une fois. Mais ça vaut le détour, ça vaut le travail. Bref, je vous laisse avec la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, comme d'habitude, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et comme d'hab, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, et également le site, la référence magie sur internet, tutomagie.com, mon site internet. N'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche pour ne rien rater sur les futures vidéos que je mets en ligne. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démonstration de ce tour qui va se faire avec des cartes très spéciales. En fait, ce sont des jokers, mais pas n'importe lesquels. Regardez bien, j'ai pris ici 4 jokers, des jokers en noir et blanc qu'on va laisser sur la table et 4 jokers, ceux-là, qui sont imprimés. Vous voyez, ils sont en couleur, totalement en couleur. Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est tout simplement de prendre les jokers et de les intercaler entre les jokers couleur et noir et blanc. Donc, si je prends un noir et blanc, je mets ici, je mets là un noir et blanc, un troisième noir et blanc juste là et un quatrième noir et blanc juste là. Donc, vraiment, si j'égalise le tout, logiquement, hein, c'est honnête, hein, si on regarde, on se retrouve avec un joker noir et blanc, un noir et blanc, un couleur. Ils sont alternés, c'est logique. Donc, on va prendre ces 4-là, on va les laisser vraiment en vue sur la table, juste ici. Et du coup, en main, on va garder les 4 autres, hein, toujours alternés de la même façon. Ce qui est très intéressant et très fort, c'est que si on retourne, donc on prend les 4 jokers qu'on a juste ici en main, et qu'on fait un geste magique, juste comme ceci, et qu'on claque des doigts, croyez-le ou non, mais on se retrouve avec uniquement des jokers en couleur. Parce que les jokers en noir et blanc ont totalement disparu. Mais réellement, disparu. Parce que là, le spectateur lui-même récupère les jokers pour s'apercevoir qu'ils ont totalement disparu. C'est incroyable, non ?